old balloon? Salut les amis, c'est du hasard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Press Start Button. Et cette fois-ci, on va jouer ensemble à Alien vs Predator. Donc un jeu sur Super Famicom, donc Super Nintendo en Jap. Il n'est jamais sorti en PAL. Donc ben, c'est un jeu qui ne mériterait pas du tout un remaster. Contrairement à la version arcade de Capcom qui était excellente. Ici c'est un jeu édité par je sais plus le nom de l'éditeur, enfin programmé par je sais plus quelle équipe, et c'est un beat'em all, il est pas mal, mais bon, sans plus, c'est pas un gros titre quoi. À l'époque, je me rappelle, je l'avais eu en cartouche, en loose, j'avais même pas eu la boîte. Il était pas c'était pas un jeu génial, mais bon voilà, il se laisse jouer, il n'est pas moche non plus, donc voili voilou. Donc ici j'y joue via la Retrobox de Terra, mais le jeu est également disponible sur la console PID de la boutique Retro Gaming. Donc si une de leurs machines vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur boutique. Le lien sera dans la description. Je vous laisse la petite intro. Donc si vous comprenez le japonais comme moi, vous pouvez constater qu'ils disent que les aliens ont foutu le boxon. Il va falloir leur mettre plein la tronche. Allez. Dans les options, niveau de difficulté standard, novice, advanced, on va mettre en novice, 9 vies, 3 continue, donc, et on peut y jouer à 2. Allez. Le camouflage, tac tac tac. Donc deux fois avant et le bouton d'attaque, ça fait une petite glissade. Par contre, c'est bien le camouflage, mais on voit pas vraiment très bien où on est par rapport aux ennemis. Normalement ça va plus durer très longtemps le camouflage. Je préfère qu'on voit le perso quand même. Là c'est moche. On dirait un bug. Voilà.
niveau décor, c'est pas non plus mirobolant, hein. Allez, faisiez pas les malins. Les aliens, si ça serait Chuck Norris en face de vous, vous feriez pas les malins. Ah, on a un peu le temps de ramasser l'arme. Il s'en va dans les égouts. Il se prend pour une tortue ninja. Nom de Dieu. Bon, quand tu auras fini de me lancer des molars, tape du bon côté aussi. Mais, nom de Dieu. Pire que des lamas ces choses là. Ça va Boubou, tu joues? Oh ça y est, voilà le premier boss qui s'énerve. Il faut déjà y aller hein, pour le toucher. Même une fois ou deux de temps en temps, et on n'a pas de super coup. Ah ben voilà, comme ça.
Si je tape pas du bon côté, ça serait pas aller non plus. Ah, quand même. Je commençais à me demander s'il jouait pas avec mes roupettes. Et les premiers niveaux terminés. Et là, donc, ils disent que la paix commence à revenir petit à petit, que... Il va falloir quand même faire gaffe. Pas le ravin, pas le ravin. Si je peux aller à droite, ça m'arrangerait, on peut pas. Je suis obligé de descendre, je pense, non? Ah oui, voilà. Fallait sauter vraiment. Un endroit prévu à cet effet. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Negan? Putain, mais... Écoute, alors ça me fera du bien. Hop. Et niveau coup, c'est pas folichon non plus, hein, on va dire. Je suis dessus et j'arrive même pas à le toucher. Si je suis pas en face, ben...
Allez, encore quelques petites mandales. On ramasse les crânes. Oh non, Dieu, celui-là un peu plus gros. Pas facile à avoir, hein. Avec sa langue là, on dirait qu'il veut te faire un examen anal. Ah bah là ça va, du coup qu'on est bien mis, ça fonctionne. Un petit coup de poing. Et encore un niveau terminé les amis. Voilà, les petits écrans comme ça entre les niveaux sont quand même assez jolis. Ah ouais, on peut également casser des éléments du décor. Oui. Tantôt, Boubou. Oh, la petite merde, là. Tant que tu n'as pas réussi à la choper. Voilà. Il faut les avoir avec une glissade. Sinon, elle saute à la gueule. Hormis le fait que ça soit basé sur la licence Predator Alien, il faut bien avouer que c'est quand même, ça ne vaut pas un Final Fight ni un Street of Rage. Mais bon, celui qui aime bien la licence Alien, Predator, allez, ça peut qu'en râler.
Oui, Morpion qui réplique. En même temps, des Morbac cette taille-là. Waouh. J'imagine l'état de Noroupette après. T'es vidé. Il n'y en a plus, il y en a encore. Bah putain, t'es... Quand est-ce que je vais pouvoir avancer dans ce niveau? Parce qu'ils reviennent à l'infini là, hein. J'ai l'impression. Thank you.
C'est incroyable. Je piche rien là. Ah, quand même! Je me dis, nous de Dieu, qu'est-ce se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, un petit peu plus de couleurs dans les décors. Nous voici dans un niveau, à mon avis, typique des beat'em all avec un ascenseur. Enfin, une espèce d'ascenseur. On va aller tout en haut pour rencontrer la reine Marguerite, la reine alien. Allez, toi tu vas pas m'enquiquiner longtemps. Merdouille, il a lâché une arme. Enfin, vaut mieux qu'il ait lâché une arme qu'une caisse. Allez, enfoiré. Nom de Dieu. Allez, l'autre va croquer ma raki. Ça vient à point. Le petit rôti de Danono.
Bon, on arrive quand on... Ah, on y est presque. On y est, on y est. Oh nom de Dieu, il s'énerve, hein. Croisement entre un alien et une chauve-souris. Une chauve-alien qui sourit. Ouais, elle sourit, elle a l'air qu'il sourit. Ça manque quand même de super coups, hein. Et de variété de coups aussi. Merdouille, je suis game over. J'ai pas de continue ou... Ah, quand même. Est-ce que je recommence de là? Je dois... Putain, me retaper tous les étages. Ça, c'est mal foutu quand même. J'aurais pu me taper moi juste le boss quoi. Ce jeu est très passionnant. Mais il fallait que je vous le présente quand même. Et en profite dans le dos à l'enfoiré là. Merdouille, je vais pas se prendre les armes du coup. Allez, on y arrive bientôt. Ah ben, on y est. Espérons qu'on aura assez de nos Eevee. Thank you.
t'as le bon timing, ça va. Il faut pas le louper. Là, Predator dit simplement, bah, si vous continuez à faire chier comme ça, vous allez morfler. Ce que je comprends. Avec un petit effet de zoom sur les astéroïdes en fond d'écran. Assez joli d'ailleurs. Bah, dans mes souvenirs, le jeu était plus moche que ça. Hein. Bon là, je veux pas dire qu'il est magnifique, extraordinaire, mais bon, il est quand même, allez, il est quand même joli. Dans mes souvenirs, il était moins beau. Une petite brochette d'alien. T'as ronflé. Ah ouais, ça s'est entendu fort en plus. Si. Ah non, mais bon. Je pourrais mettre dans le bêtisier. Ah mais t'as pas fait de cette après-midi. Ah oui. Ça va Bobo, ça va Negan. Oh non, fais pas le macaque, hein. Allez, hein. Negan. Allez, on va essayer de les avoir.
Allez, espérons qu'on arrive bientôt à la fin. Une victime. Moi aussi, Bobo. Hey, tu te réveilles? Allez. Coucou. Il est chaud quand même, hein, nom de Dieu. Nom d'adieu.
Alors, les autres jeux Beat'em All, les ennemis ils évoluent au fur et à mesure des niveaux. Et ici, c'est toujours des aliens. Hein, à part le boss de fin de niveau qui change à chaque fois. Bon, ben, un petit game over, les amis. Je vous propose qu'on en reste là. On va pas utiliser de continu pour. C'est tellement soporifique ce jeu que voilà. On va rester là. J'espère que cette petite vidéo, cet épisode Prester Button vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Un petit commentaire et je vous répondrai dès que je sais. N'hésitez pas, si une de ces machines vous intéresse, à aller faire un petit tour sur la boutique Retro Gaming dont le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, jouez bien. Ciao, ciao.